Donc, nous sommes partis. C'est la première fois que je fais ça, c'est là, je fais les abysses sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc c'est Naban, qui donc a du mal, je vais vous lire son message. Sur mon compte, le plus gros problème est le manque de build des persos, Arte, monter les armes, aptitudes. Au début, je jouais juste comme ça, je faisais ma résine et mes daily, mais j'ai essayé de sauver mon compte, tu verras, c'est pas si horrible. Sur ces abysses, le Lugio est vraiment horrible, j'ai pas de jeu 5 étoiles sauf le Zong. Bon, j'ai fait le premier étage, je savais pas pour les abysses MDR. Ok, bah écoute, hésite pas à ranger les stuffs, j'aime bien tester des trucs, du coup des fois ils ont mis n'importe comment. Donc du coup Naban, ce qui te pose problème, c'est le Lugio. Alors, ah du coup on a pas les 9 stars ici. Tu t'es fait troll par le dragon des ruines, c'est ça? Et là, tu as fait le premier floor. Ok, ok. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler de Black Desert Online, ou alors BDO pour les habitués. Alors BDO, qu'est-ce que c'est? C'est un MMORPG. Il est en open world, il est disponible sur PC. Il y a aussi une version mobile. Mais c'est la version PC dont je vais vous parler aujourd'hui. En gros, BDO, c'est quoi? Premièrement, c'est un vaste monde, avec de très beaux graphismes, surtout pour un MMO. Votre but, ça va être de créer votre personnage, avec, je pense, un des plus gros systèmes de customisation, de monter votre personnage, de l'équiper, et gagner en puissance avec l'XP en faisant la quête principale et en tuant des monstres, sachant qu'au niveau 50, vous débloquez l'open PvP, et donc vous pouvez déjà affronter d'autres joueurs dans l'open world, mais en plus faire des combats de siège et des guerres de guildes. Avant de créer votre perso, vous pourrez choisir entre 26 classes. Elles sont généralement toutes uniques et ont vraiment de très très beaux visuels. Et en fait, pourquoi je vous en parle? C'est parce que récemment, il y a la classe Maegu qui vient de sortir, qui est la classe jumelle de la Wusa, et vous pouvez la jouer dès maintenant. En plus des combats, dans BDO, vous avez plein d'autres options qui sont à disposition dans le jeu, avec du craft, des quêtes, des donjons, de l'exploration et plein d'autres choses. Donc si ça vous tente, vous retrouverez le lien vers le jeu en description. Merci à Black Desert pour sponsoriser la vidéo. Et franchement, le jeu est sympa, j'ai plus de 100 heures de jeu dessus, donc n'hésitez pas. Alors on va voir un petit peu ce que tu nous proposes. Qu'est-ce que tu as? Ça va être intéressant. Je suis content parce que faut que c'est la première fois que je fais ça. On va voir un petit peu Bennett, C5, C6, C4. On a une Ayaka, on a une Otao, on a un Lezong, on a une Aida. Ok, ok. Je pense que le compte est pas dégueu en vrai. Hein. Alors j'ai pas vu les aptitudes, mais comme ça là, si on réfléchit un peu à la team qu'on pourrait faire, hein. On pourrait clairement faire en bas une team avec un Zong déjà. Je vais aller en P2 quoi, c'est pas grave. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas juste faire ça en soi? Alors c'est un peu overkill de Jongli et Cookie, mais il faut du géant. Ce fort là me fait peur sans il. Ce qui me fait peur, c'est les dégâts que j'aurai en bas. Mais on va tenter. Le 11, tu le fais pas? Oh, on va d'abord faire le 12. Ok, donc on a un boost attaque, c'est pas mal. C'est pas dégueu. Allez, on va faire ça. Allez, on déchaîne. Ok, allez, c'est parti. Ok, des bons petits dégâts, on aime ça. Ok. Bon, il fait ça. Hein. Je pense qu'on va juste faire ça et le finir. Enfin, en fait, juste envie de le faire passer en phase 2, là, c'est tout. Je crois qu'il le fait, là. Non? Ok, j'ai fail. Ok, j'ai fail. On va refaire. j'ai surestimé les dégâts, là. Elle était sans boost et tout. My bad. J'ai failli ma rotation. Ah là, j'ai complètement surestimé les dégâts, je suis désolé. Oh merde, j'avais pas de truc avec une Xingqiu. C'est pas grave. Hop. On prend la plume. Oh, pas la plume, le piment, pardon. Ok, tranquille. On se régène. Oh, en vrai, hein. Là, on peut normalement. Avec Bennett et l'ulti, là, voilà, là, on le fait passer en phase 2. Voilà. Peut-être que le Bennett a... Ah, zut. Pas grave, tant pis. Hein. On va ulti. J'ai mal placé, je crois. Ouais, je l'ai mal placé. Hein. Est-ce qu'elle sort, non? Ouais, elle sort. Bon, c'est pas grave. On va quand même la voir. Tac. Là, en fait, j'ai pas envie de claquer mes ultis. Ça serait dommage. Hein. Et je perds du temps. Mais c'est pas grave. Ok, ok. Ah, j'ai pas... D'ailleurs, tu sais que j'ai pas regardé les aptitudes, ton niveau d'aptitude. J'aurais peut-être dû checker ça avant. Bon, tant pis. C'est pas grave. Bon, Miko, Naida. Allez, on y va. Bon,
On va essayer de se mettre full particule si possible. On a le temps, on a le temps. Là, ça sert à rien de se précipiter. Ah, si, merde, il en reste un. J'avais oublié. Bon, c'est pas grave. J'avais, vous savez que j'avais oublié qu'il y en avait un 4ème. Bon, ok, bon, on met tout alors. Ah oui, il a toutes les étoiles, il a toutes les étoiles sur ce fleur là, c'est vrai. Bon, là, de toute façon, j'ai le temps. Faut que je prenne mon temps. Quand même, remettre ça. Juste envie de générer des particules pour mon aider à être full ulti. Ok. Ok, là on est bon. Ok, on est bon. On est full ulti. Peut-être que j'aurais même pu attendre plus longtemps et gratter les 20 secondes pour soigner mon jungle, si jamais. Oula. Alors là, vous savez que je suis tenté de prendre ça pour vraiment être sûr de la win celle-ci. Mais je pense qu'on va prendre ça. On va prendre ça. Parce que j'ai quand même envie d'avoir le boost pour les 15 loups. Ok, c'est quoi ça déjà ici? Ok, c'est ça. On détruit ça, on détruit ça aussi. Malheureusement, j'ai pas assez. Alors ça c'est ballot parce que j'ai pas vu où il était parti. Il était par là. Je prends un peu trop de temps là, j'ai l'impression. Voilà, j'ai un peu fail je pense, j'aurais pas dû le laisser s'enfuir. Ok. On va prendre l'ulti de Bennett. Allez. Ah, je me dépêche parce que c'est le loup qui me fait peur. Le problème c'est que faut pas aussi oublier que peut-être que j'aurais pas assez de trucs pour la dinde, le champi froid. Et donc qui dit champi froid, pas assez de trucs, dit aussi que j'aurais moins de temps pour les 15 loups. On va voir ici du coup. Ok, bon là on va faire le plus de dégâts possible. Là ça sert à taper, ça sert à littéralement rien. On peut juste le marquer si on veut, mais bon. Pas grand chose malheureusement. On va mettre les totems de Yae. Je crois qu'il va, ouais, il peut le taper. On va mettre l'ulti de Naida. Allez, pose-toi s'il te plaît. Pose-toi. Alors, on va mettre des petits dégâts. On va essayer avec Zhongli. Ah, ok, allez, c'est parti. C'est parti. Il met le totem. On va ulti. Hop, c'est mort. On va eux. On attend là, faut juste attendre. Par contre, je suis corrosion, ce qui est un petit peu chiant. Je l'avoue. Attends, Kukel peut mourir de la corrosion ou pas? Non, je crois pas qu'elle puisse mourir. Hein. Faut qu'elle swap sur le terrain. Hein? Ça touche pas? Oh merde. Hein? J'ai fail? What? Oh merde! J'ai cru qu'elle était détruite. Aïe, rip. Ah là, my bad, j'ai pas vu. Je pensais vraiment qu'il était... Bon bah pas grave, grand faire. Parce que en fait le pilier il a touché, mais pas assez, je sais pas. Pas grave. Alors là, je crois que j'ai eu les trois là, non? Oh non! Non, il reste HP! Ah bah voilà, c'est bon. On met tout. Je sais quand même faire ça. Ok.
Là, on est bien, là. On est très bien et j'aurai mes ultis. Enfin, pas toutes les ultis à fond, mais... On va pouvoir les charger. En tout cas, on est mieux que tout à l'heure. Enfin, je dis ça et là, finalement, j'avais mis du temps pour le tuer. Ok. Et ben, on est reparti ici. Hein. On le marque. Et on le tape. On va faire ça. Pour ce heal. Ça coûte rien. Ok. Et normalement, ça, le amateur de jongler le bute, hein, le détruit. Le one shot en tout cas. C'est comme ça qu'il fait, c'est qu'il détruit mes piliers, voilà, j'ai compris. Oups, bon, pas grave, hein. Je vais rappeler après. Ok, c'est de repasser là. Faire ça aussi. On va charger les particules. Ok. Ok, ok. Et là, pour moi, c'est pas forcément le plus dur, c'est ça, ou c'est peut-être potentiellement le plus dur. Après, là, je pourrais prendre ça, mais l'attaque est pas si utile que... Enfin, si l'attaque est... Bon, en go, autant prendre ça. On va essayer, du coup... Donc là, faut... Enfin, pas essayer, mais là, on va le faire, mais... Faut que je me dépêche ici. Ok. Allez, là, faut aller le plus vite possible. Ah mais là il recule. Ah mais qu'est-ce que tu fais recule là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi il recule le machin? Pas cool, pas cool hein. Ok. Est-ce que c'est mon Xingqiu qui a passé dehors du coup? On a bien l'impression. Bon, c'est pas grave, hein. Non, mais il a pas rituel, mais aussi, je pense que c'est parce que Radiant a 212 de R. Bon, là, on snapshot pas, on va juste le finir rapidement, hein, parce que là... Ah, j'ai mis trop de temps pour le piaf, là. J'ai mis trop de temps pour le piaf, hein. Ah oui, c'est en rituel x8 avant le... Peut-être ça. J'avoue que j'ai plus l'habitude. Je suis en rituel. Ok, bah là c'est la partie un peu compliquée, hein, je vous avoue. Surtout sans, surtout que j'ai, je peux pas les grouper. Après Yae fait le taf normalement. Ouais, Yae fait un bon taf là. Yae impérial. Ouais, j'ai fait la rotation. Ok, puis là, on va quand même tenter, mais j'ai fait. Là, c'est my bad, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais jamais dû faire ça avec Cookie, c'était pas du tout nécessaire. Je pense que ça peut passer encore, parce qu'en soi... On a le Zong. Oh merde. Ah mais là j'ai fait n'importe quoi. On va refaire. J'avais fail avec Cookie, en fait j'aurais pas dû fail, j'aurais pas dû swap. De toute façon, je pense que le début ici je l'ai fail parce qu'elle s'est reculée, la dinde, et bah ça m'a niqué en fait. Elle se recule. Et peut-être que je vais devoir retry juste pour ce floor là, c'est possible. Hein.
Parce que là, je vois pas comment je fais pour les tuer, hein. Ils sont trop tanky, hein. Oh ah, dommage, dommage. Je veux bien réessayer, mais là, il manque des dégâts. Là, il manque clairement des dégâts ici. Hein. Ouais, c'est peut-être le problème de soin, en fait, parce que Cookie... La Cookie est que niveau 70, en fait. Attendez, la Cookie, j'ai pas vu, c'est quoi ses aptitudes, hein. Ah, bah voilà pourquoi il n'y a pas de assez de heal. 6, 6, 7. Et tu devrais vraiment augmenter ça. Hein. 5, 10, 10, 8. Ça, c'est couronne. C'est bizarre que ça soit couronne et pas les autres. Hein. Pareil, ça t'a augmenté l'ulti et pas le. Pourquoi? Parce que, ouais, Cookie est petite niveau 1, c'est comme si elle y allait pas, quoi. Ah, j'aurais dû vérifier avant. My bad. Après, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on le fait en deux temps. Deux temps, ça passe aussi. Hein. Le jeu permet de le faire en deux temps, donc ne soucis. Hein. C'est ce qu'on va faire. Hein. Allez, on y retourne. Bon, ici, dans tous les cas, il faut que dans tous les cas, la run soit belle ici. Parce que si la run n'est pas belle ici, environ 9, 9, 5, ça passera jamais. Donc là, dans tous les cas, il faut quand même faire une belle run. Sinon, c'est mort. Hein. Et merde. Ah là, je pense que c'est déjà mort. Enfin, pas mort, mais j'ai failli mon soir, là. En vrai, c'est pas mort, j'ai ça, mais... Oh! J'ai soir encore dans le vide. Bon, bah, au pire, je peux, ça me traîne sur le floor. Tranquille. Parce que là, ouais, malheureusement, on est déjà à 9-5. Voilà. Voilà, là, je vais reset, hein. Non, je vais m'entraîner, pas grave, sur le truc. Parce que là, on avait combien de temps? Ouais, putain, on a mis 12 secondes de plus. 12 secondes, c'est ce qu'il faut justement pour ça. Ok, du coup, moi, ce que je voulais faire... Prendre ça. C'est me mettre ici. Je perds du temps, mais c'est pas grave. Hein. Ulti. Pas mal, pas mal. Et du coup, faut que je reste ici, hein. Faut pas que je bouge, hein. Faut pas que je chase, hein. Quitte à pas avoir grand chose. Là, on voit rien. C'est affreux, mais c'est pas grave. En fait, là, je me rends pas compte si la run est bien, mais. En fait, faut tuer 10 loups. Si je tue 10 petits loups, c'est bon. Genre là, si je tue les 4, c'est bon. Ah, faut que je tue les loups, s'il vous plaît. Plus qu'un loup à tuer. Toi là. Ok, les gros loups qui spawnent. Parfait. Là, je reste dans le coin. Ok. Il y a encore le qui boude, hein. Qu'est-ce que tu fais, mon rêve? Viens. S'il te plaît. Oh, j'ai envie de focus. Ok, bah c'était ça sur le côté. C'est ça. Là, c'était large, ça passait largement du coup. Ok. Je pense vraiment dans tous les cas que ce qu'il faut, c'est tes aptitudes. Tu montes ça niveau 9. Ça, tu montes ça niveau 12. Ça, tu montes ça niveau 12. Tu mets le E niveau 8. Yaya, tu mets au moins du 8-8. Naïda, faut que tu augmentes ça. Hein. Là, ça va pas. Hein. Bon, après, je dis ça, mais la main n'est pas trop upgrade non plus. Hein. Fischl, ça va. Je vais rien dire sur Fischl. Cookie, si tu comptes la jouer, Cookie, parce que Cookie est très forte actuellement, très méta. Tu peux au moins mettre ça niveau 7, quoi, ou 8. Hein. C'est vraiment ça que tu dois travailler, je pense. Parce qu'en soi, tes artefacts, t'as du lourd. Hein. Quand je vois des pièces comme ça donne envie. Hein. Et aussi, faut que tu augmentes cette arme-là. C'est ta seule grosse arme de ton compte. En tout cas, en épée et une main. Mais écoute, Naban, je pense que c'est quand même déjà pas mal. Je pense vraiment que t'as un compte qui a beaucoup de potentiel. Juste que tu l'as pas exploité à fond. Et une fois que tu l'auras exploité, notamment au niveau des aptitudes, ça ira. Je pense vraiment. Voilà.